Que la paix soit avec vous. Bienvenue à notre émission, à notre rencontre désormais habituelle. Christ à l'œuvre, ce Jésus-Christ de Nazareth qui n'a point changé. Hébreux 13:8 nous le dit, qu'il est le même hier, aujourd'hui et il restera à jamais. Alors, Christ à l'œuvre, hier, aujourd'hui et éternellement, nous allons voir l'œuvre de Christ dans une allégorie, dans une parabole. Cette parabole, nous irons la trouver, elle se trouve donc dans l'évangile selon Luc. Luc au chapitre 14, à partir du verset 15, je vais lire la parole de Dieu. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. » À l'heure du souper, verset 17, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez car tout est déjà prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs. Je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Au verset 21, le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison irrité dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville. » Et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Au verset 22, le serviteur dit, « Maître, ce que tu as donné a été fait et il y a encore de la place. » Luc chapitre 14, verset 23, « Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contraint-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. » Et nous allons voir également au verset 21 encore, c'est que le serviteur de a rapporté ses choses à son maître, alors le maître de la maison dit à son, va promptement dans les places et dans les vie et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Et la Bible nous apprend maintenant au verset 24, car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon souper. Alléluia, gloire au Seigneur, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors, avant que de partager cette histoire merveilleuse tirée d'un repas autour de Jésus-Christ de Nazareth, je vais d'abord prier. Père Saint, dans le nom béni de Jésus-Christ de Nazareth, en qui toute grâce a été manifestée, je m'élève maintenant et je m'oppose à tout raisonnement, à toute hauteur qui s'opposerait à la connaissance de Dieu. Et je ramène toute pensée captive à l'obéissance du Saint-Esprit de Dieu. Et puis je proclame maintenant que sur quel que soit le média sur lequel cette parole est publiée, qu'il y ait une grâce excellente au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. A dit Amen, Amen, ça veut dire que nous sommes d'accord et gloire à Jésus-Christ. Alors, cette histoire se déroule autour, n'est-ce pas, d'un repas. Il s'agit d'un pharisien qui a donné un repas. Et à ce repas, Jésus est invité avec ses disciples, n'est-ce pas. Et le pharisien n'a pas invité Jésus-Christ simplement parce qu'il voulait lui faire du bien, mais c'est toujours pour essayer de prendre Jésus au dépourvu, pour essayer de le confondre toujours dans leur faux dessein. Alors, la Bible déclare directement au verset 15 que ceux parmi ceux qui étaient à table avec Jésus-Christ de Nazareth, et la Bible nous dit clairement qu'il y a quelqu'un qui s'écrit. Et il dit ceci, je lis textuellement. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu cette parole, dit, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. C'est une très bonne chose que de prendre son repas dans le royaume de Dieu. Mais seulement Jésus lui va répondre par cette allégorie. Jésus lui va répondre par cette parabole. Il dit, un homme donna un grand souper. Alors, un homme ici, c'est Dieu qui est dépeint ici comme un homme. Jésus, hein, Dieu est ici dépeint comme l'homme qui va donner le repas. La Bible nous dit qu'il a envoyé son, il avait tout apprêté et il a dit à ses serviteurs qu'il allait dire aux conviés que venez car tout est déjà prêt. Et d'ailleurs, c'est le thème de notre rencontre, c'est le thème de cette exhortation, venez car tout est déjà prêt. La Bible déclare que de tous ceux qui ont été invités, il y avait d'abord 3 catégories de personnes, n'est-ce pas? Il y avait un homme qui, la Bible déclare qu'il avait acheté un champ. Alors voilà. On vous invite à manger gratuitement, on vous invite à la grâce, n'est-ce pas? Vous êtes parmi les conviés, vous êtes parmi les invités majeurs, vous êtes honoré de cette invitation. Mais voilà, cet homme-là, lui, décline son invitation. Et voilà la raison qu'il donne, c'est qu'il a acheté un champ et il doit aller le regarder et il s'est excusé. Alors, examinons un peu la réponse là, de cet homme-là. Le souper, c'est généralement le soir. Alors comment quelqu'un qui a acheté un champ va aller le visiter le soir, en soirée?
Comment est-ce qu'il va le voir dans le noir? Mais passons, en fait, ça dénote un peu les personnes qui refusent la grâce de Dieu, qui refusent l'appel de Dieu, qui refusent de donner leur vie à Jésus-Christ simplement à cause des biens matériels. Alors, il y a eu une deuxième confiée, lui déclare que celui-là, il s'est excusé en disant que voilà, j'ai acheté 5 paires de bœufs, il faut que j'aille maintenant les essayer. Attendez, comment concevoir, comment voir, comment pouvoir présenter cela, que quelqu'un achète 5 paires de bœufs sans les essayer? Il faut qu'il les ait essayés. Hein? Il achète 5 paires de bœufs sans les avoir essayés. C'est incroyable. C'est maintenant au moment où on l'invite à un souper de façon gracieuse, n'est-ce pas, et de façon honorable, que lui, il va aller, n'est-ce pas, essayer 5 paires de bœufs. Et là encore, nous sommes en soirée, il s'agit d'un souper, c'est le soir. Comment va-t-on aller essayer 5 paires de bœufs, n'est-ce pas, en soirée? Passons encore, ça dénote également, ça dépeint des gens qui refusent la grâce de Dieu, qui refusent de donner leur vie à Jésus-Christ, qui refusent l'évangile, qui refusent la bonté, l'amour, la joie, la bénédicité de Dieu, par ce qu'on appelle le professionnel. Parce qu'ils sont tellement occupés, ils sont tellement pris dans leur travail, quel que soit le travail, ils sont pris dans plein d'occupations. Alors, il vient encore, n'est-ce pas, une autre catégorie des conviés honorables. Celui-là, la Bible nous dit qu'il s'excuse en disant que voilà, je viens de me marier et je ne puis venir parce que je ne sais pas pourquoi. Or, pour lui, c'était effectivement l'occasion. Il venait de se marier et voilà un souper. Il avait l'occasion de venir avec sa fiancée, son épouse, n'est-ce pas, pour la présenter, pour se réjouir avec elle. Voilà. Donc, voilà comment ces trois personnes, ces trois qui avaient été invités, vont décliner, n'est-ce pas, la grâce de Dieu. Ils vont décliner, n'est-ce pas, la joie de Dieu. Ils vont décliner donner leur vie à Jésus-Christ. Premièrement, c'est cet homme-là qui, effectivement, a acheté un champ. Donc, c'est selon nom. C'est à cause des biens matériels, tu vas. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier, les biens matériels, s'il doit perdre son âme? Il le refuse. La gloire de Dieu. Il préfère les biens matériels qui sont les biens de ce siècle présent. Il refuse la vie éternelle. Le deuxième, lui, comme nous l'avons vu tout à l'heure, il a acheté 5 paires de bœufs, mais il doit aller les essayer. Il faut qu'il travaille absolument. Il faut qu'il se donne à fond. Or, à quoi ça sert, n'est-ce pas, de travailler, non, alors qu'on décline effectivement le repos en Christ Jésus, le repos de la vie éternelle. Le troisième qui vient de se marier, encore pour les biens matrimoniaux, pour les biens sociaux, n'est-ce pas, il décline la peine de Dieu. J'espère qu'il n'en sera pas le même pour vous. La Bible déclare que quand le serviteur vient, il dit, écoutez, il dit à cet homme, au maître, toutes les personnes que nous avons invitées ont décliné cette invitation, ils se sont excusés. Et la Bible déclare que voilà, effectivement, cet homme, le maître, est irrité, il est fâché, il dit, ce n'est pas possible. Comment on peut, n'est-ce pas, refuser un souper gratuit? N'oubliez pas que la Bible nous dit, Éphésiens nous dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés, n'est-ce pas? Et au moyen de la foi, et ça ne vient pas de nous, nous n'avons pas de foi donnée. Voilà, Jésus offre la grâce, il offre la joie, il offre la paix, il offre la délivrance, il offre la guérison, il offre l'élévation, il offre le repos. Vous n'avez simplement qu'à venir accepter, n'est-ce pas, à venir à ce souper, parce que c'est le souper de la grâce, c'est le souper du repos, c'est le souper de la paix, c'est le souper de la joie, le souper de l'amour, le souper de la protection de Dieu. Mais ils ont tous déclaré, la Bible déclare que voilà, le maître irrité ordonne maintenant à ses serviteurs. Il dit, allez maintenant, allez dans les rues, allez dans les places, allez dans des endroits publics, et tout ce que vous voulez, allez inviter les estropiés, allez inviter les malades, les handicapés, et toutes les personnes qui errent par-ci, par-là. Alors, cette invitation s'adresse à toi. Cette invitation s'adresse à vous. Jésus ne fait exception de personne. Cet homme-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme qui est Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth, n'est-ce pas? Et il vous invite, quel que soit votre handicap, quelle que soit l'étiquette qu'on vous a collée, que vous soyez estropié, que vous soyez aveugle, que vous soyez malade, Jésus appelle tout le monde. Et il vous appelle gratuitement par grâce que vous êtes sauvés. Il vous appelle, n'est-ce pas, les malades pour la guérison. Il appelle les estropiés pour le rétablissement. Il appelle les aveugles pour le recouvrement de la vue. Il appelle toutes sortes et moultes personnes de la société pour qu'ils viennent. La Bible nous enseigne encore que voilà. Malgré tout cet appel, malgré tout cela, et le serviteur revient voir son maître, vous dire qu'il y a encore de la place. Il y a encore de la place.
Oui, monsieur, madame, il y a encore de la place, votre place est encore vide. C'est pour ça que, justement, il faut que vous répondiez à cet appel. Pourquoi? Parce qu'il y va également de votre responsabilité. Parce qu'il se trouve que tant que les places seront vides, les autres ne pourront pas souper. Tant que vous ne donnez pas votre vie à Jésus-Christ, peut-être ta famille ne pourra pas sauver, selon qu'il est écrit que « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. » Donc si vous ne donnez pas votre vie à Jésus, si vous ne répondez pas présent à ce souper, n'est-ce pas, les autres conviés, n'est-ce pas, les autres conviés qui sont là, ils ne peuvent pas manger parce que nous l'avons vu précédemment, cet homme-là, il ne donne pas de manger, il donne à ses serviteurs de repartir tant qu'il y a des places vides. Ça veut dire que tant que vous ne donnez pas votre vie à Jésus-Christ de Nazareth, tant que vous ne venez pas dans la grâce de Dieu, tant que vous n'acceptez pas la bonté de Dieu, tant que vous n'acceptez pas l'amour de Dieu, d'autres ne pourront pas en jouir parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dépendre du fait que votre place soit occupée. Tant que votre place est vide, on ne peut pas s'asseoir pour manger, on ne peut pas être béni, on ne peut pas être guéri, on ne peut pas être protégé. C'est ça l'image. La Bible déclare que ce temps, on donne encore au serviteur. Il dit, pour la troisième fois maintenant, cette fois-ci, il dit, va le long des haies, va le long des chemins, va des endroits escarpés. Et là, contraint les gens, oblige les gens à rentrer parce qu'il veut que sa maison soit remplie. Oh, alléluia! Jésus veut que la maison soit remplie. Jésus veut que tout le monde soit sauvé. Jésus veut que, effectivement, tout le monde vienne à lui. C'est pour ça qu'il dit, il faut obliger. Je suis en train de prêcher là parce que je suis obligé, je vous oblige, n'est-ce pas, par l'entremise de cette prédication, à accepter l'invitation au souper, au repas du Seigneur. Oh, bienheureux les invités au repas du Seigneur. Il est clair que c'est des gens qui sont dans les haies, je vais aller plus loin que ça, vous qui êtes dans le chanvre indien ou le chanvre gabonais, ou le tambi-tambi, comme on appelle chez nous au Gabon, vous, Jésus-Christ vous appelle, répondez à l'appel. Je dis également, vous qui prenez de la drogue, Jésus-Christ ne fait exception de personne, prenez cette invitation et répondez à l'appel de Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui êtes dans les mbanja, dans les rites initiatiques traditionnels ou importés, quel que soit ce que vous êtes en train de pratiquer, Jésus-Christ vous appelle également. Par cette prédication, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible déclare qu'il est écrit que la parole de Dieu est une épée tranchante, double tranchant. Cette épée, n'est-ce pas, elle sépare jointement, elle juge les sentiments du cœur. Donc, la parole de Dieu est une puissance, l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Donc, j'envoie au nom de Jésus cette puissance pour vous obliger, n'est-ce pas, à quitter où vous vous trouvez pour aller à ce souper, pour donner votre vie à Jésus-Christ, pour croire que Jésus-Christ est le Seigneur, pour le recevoir comme votre sauveur et Seigneur personnel. La Bible déclare que ceux qui sont le long des haies, des prostituées, n'est-ce pas, des gens qui sont les alcooliques, des gens qui sont drogués, des gens qui sont dans le fétiche, dans la sorcellerie, dans des couvents de je ne sais pas trop quoi là. Cette parole de Dieu que vous recevez, la Bible déclare que la parole de Dieu ne retourne jamais sans avoir accompli ses desseins. C'est pour ça que par cette prédication, Jésus a dit « Contraint les gens à rentrer parce que je veux que ma maison soit remplie. » Cette parole, je prie au nom de Dieu qu'elle soit ointe pour ébranler les citadelles, pour ébranler les forteresses, pour vous obliger. N'est-ce pas? Et j'envoie la puissance de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Où vous vous trouvez? Dans des places fortes, dans des grottes, dans des temples de je ne sais pas quel rite initiatique, dans des places fortifiées, n'est-ce pas? Pour ébranler jusqu'au fondement, pour vous obliger, n'est-ce pas, à donner votre vie à Jésus-Christ. C'est plus tard que vous allez bénir, Seigneur, pour que, parce que votre vie sera joyeuse et que la gloire de Dieu viendra dans votre vie. Amen. Alors, je prie encore au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que vous qui écoutez cet évangile vous oblige, n'est-ce pas? Cet évangile, on va utiliser un terme assez violent parce qu'on doit vous obliger. La Bible déclare que ce homme a dit, obligez-les, contraignez-les. Que cette parole que vous entendez ce soir, qu'elle vous tourmente jour et nuit, que vous n'aurez aucun repos jusqu'à ce que vous venez à ce souper, vous donnez votre vie à Jésus. Je voudrais vous rappeler que tant que la maison n'est pas remplie, les autres qui sont déjà dans cette maison ne pourront pas manger parce que l'homme veut que tout le monde soit et que ensemble, n'est-ce pas, que ça soit un festin, un souper général. Alors, voilà. Pourquoi répondre à cet appel? Simplement pour jouer de la grâce, c'est gratuit.
pour venir au repas, parce que bienheureux ceux qui vont prendre leur repas dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu est venu parmi nous par Jésus-Christ, la parole qui s'est faite chair, qui allait de lieu en lieu et qui manifestait cette grâce-là. Alors, cette parole n'a pas changé, elle est aujourd'hui. Reçois cette parole-là, afin qu'elle tabernacle en toi, pour produire en toi les fruits dignes de Dieu, pour que ton nom, pour que le nom de Dieu soit glorifié, que ta joie soit parfaite. C'est pour ça que je m'en vais te demander de répéter simplement après moi, pour recevoir cette invitation et être assis, n'est-ce pas, à la place d'honneur dans ce repas. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Ta parole m'enjoint. Ta parole me contraint à accepter cette invitation de grâce. Cette parole que je reçois maintenant en tout par toi, cette parole produit en moi, Seigneur, cette repentance pour reconnaître que je m'étais égaré et que je viens à toi. Je suis invité et j'accepte cette invitation pour venir à ton repas. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je te confie ma vie et je proclame que maintenant je suis en toi et que ma vie t'appartient. Voilà, nous avons prié au nom de Jésus. C'est aussi simple, un miracle extraordinaire. Il suffit que quelqu'un confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, la gloire de Dieu et qu'il le reçoit comme son Seigneur et Sauveur personnel. Et voilà, il est sauvé. Alors, bienvenue et que la grâce de Dieu soit sur vous. Merci, je suis APM, l'apôtre Paul ici, l'ange d'éternel qui se tient devant la face de Dieu. J'officie à Libreville, Boucabon, au ministère Colonne de Feu et de Nuit, à Libreville, à l'église locale de Nzengayon, au 6e arrondissement, Nouvelle Cité, face à l'école publique de Nzengayon 4, derrière la résidence devant, à la maison de prière dont le pasteur local n'est autre que la bergère Saint-Élia. Alors, vous pouvez effectivement être en communion spirituelle et fraternelle avec nous à cet endroit. Nous y obtenons deux réunions simplement par semaine, le jeudi, des réunions où nous faisons des invites, n'est-ce pas, au repas du Seigneur, pour recevoir la grâce, la bonté, l'amour, la joie, la félicité. Et puis, le dimanche, n'est-ce pas, le grand culte d'adoration, ce à partir de 9h15. Vous êtes notre invité majeur, bienheureux, les invités au repas du Seigneur. Shalom, shalom. Alors, vous pouvez également, il y a une autre commune, la commune de Ntoum. Là-bas, nous y tenons également dans la cathédrale La Joie Parfaite, dont le pasteur n'est autre que la révérende Roselyne Messi. Et nous avons en semaine également une réunion le mercredi à partir de 17h, n'est-ce pas? Et le dimanche, le grand culte d'adoration, le dimanche à 10h. Venez également, vous êtes notre invité majeur et vous serez assis à la place d'honneur. Vous pouvez également me joindre. Le numéro s'affiche sur votre petit écran, le 06 63 06 40, précédé de 241 si vous êtes à l'extérieur. Vous pouvez également nous joindre au 05 32 58 80. Vous envoyez un SMS, je réponds à tous les SMS. Ça peut prendre un jour ou deux, un peu plus, le temps que j'amène votre requête, n'est-ce pas, que je prie Dieu et qu'il me dise cette fois vous donner, n'est-ce pas, je ne peux pas répondre pour répondre, pour faire plaisir, je réponds par rapport à ce que Dieu va me dire et pour que effectivement votre vie change. Vous pouvez également m'appeler directement. Je décroche et je réponds. Et puis vous pouvez venir à notre office à Libreville, comme je vous l'ai dit, à Zanyon, à Nouvelle Cité, derrière la résidence Le Vent, n'est-ce pas. Vous venez et je reçois tous les jours à partir de mardi jusqu'à vendredi, à partir de 15h30 jusqu'à, on va dire, jusqu'à 18h30, voire 19h. Vous pouvez également venir, si je ne suis pas là, rencontrer le pasteur local, la bergère Saint-Élia, qui ferait un plaisir également de vous recevoir. Et si vous êtes du côté de Toum, n'est-ce pas, vous pouvez aller effectivement tous les jours également, à partir de mardi, oui, à partir de 16h jusqu'à 19h. La révérende Roselyne Messi vous recevra, ou bien si je me déporte de ce côté-là, je vous recevrai également. Si vous appelez, vous obtenez fortement un rendez-vous et vous pouvez venir aussi sans rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Je vais encore prier. Père de gloire, merci pour ta grâce. Merci pour ton invitation. Car tu es venu afin qu'un grand nombre soit sauvé. Et c'est par grâce, par ton invitation que nous sommes sauvés et nous n'avons pas d'effort à faire sinon de croire. Je prie au nom puissant de Jésus que ceux qui viennent de recevoir, qui viennent d'accepter, qui viennent de répondre favorablement à cette invitation, à ce repas, Seigneur, que le Saint-Esprit de Dieu, n'est-ce pas, les couvre, que ta bonne main soit sur eux et qu'ils soient conduits, n'est-ce pas, auprès d'un homme de Dieu, auprès, dans une église où ton nom est glorifié, afin que leur vie change. Je prie cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom. À très bientôt.